Une consultation médicale sur le bus ART à Cannes le 8 mars 2023 sous soleil de Cannes. Le bus Cœur de l'Acte pour Cœur des Femmes est stationné à la place du marché l'avenue Francis Tonnet. Du 6 au 8 mars 2023. Le bus parcourt la France depuis un an. Les organisateurs de 20 villes ont effectué 4500 dépistages gratuits qui durent une moyenne et demie. Les femmes de 30 ans sont victimes d'un AVC. Les troubles cardiovasculaires affectent les jeunes femmes, qu'elles peuvent avoir des accidents vasculaires cérébraux à partir de 30 ans, explique le cofondateur de la fondation Thierry Drillon. Notre objectif est d'économiser par prévention 10 000 femmes dans 5 ans en France. Les femmes ignorent symptômes des accidents vasculaires cérébraux, l'hypertension et de l'infarctus, selon le fondateur du programme cardiologique Claire Mouninier-Villiers. Femmes ne pensent pas à relier l'essoufflement, vomissement, boucle d'oreilles bourdonnantes, certaines douleurs dans troubles cardiovasculaires. Thierry Drillon à la fondation Act for the Heart of Women Stand à Cannes, le 8 mars 2023 Radio France, Violaine Malade, la prévention est essentielle, pour Thierry Drillon. Les femmes savent bien envoyer leur mari avec un ventre et 60 au cardiologue dès qu'il a des signes évocateurs. Après la consultation, les femmes partent avec une tension artérielle généreusement donnée et une opinion médicale à donner à leur médecin généraliste.